30 avril, les enseignants congolais étaient à l'honneur ce jeudi. Ils ont célébré la journée nationale leur dédiée. Contrairement aux années précédentes, la journée s'est passée sous méditation suite à la pandémie de coronavirus. Tantraville tombe pendant que les écoliers finalistes évoquent l'importance et la nécessité de la présence de leurs enseignants à l'école. Ils disent ne pas comprendre le cours dispensé à travers le programme de télé-enseignement. Et les zones de santé de Butembo, Katwa et Masereka viennent de bénéficier des ambulances et des lots importants de médicaments et des équipements médicaux pour faciliter l'intervention en cas d'urgence. Il s'agit d'une donation de l'Agence américaine de développement, USAID. Le ministre provincial de la Santé, Moïse Kanyere, qui a réceptionné ces dons, appelle les gestionnaires d'en faire bon usage au profit des bénéficiaires. Consécutivement à la pandémie du COVID-19, les enseignants ont passé la journée du 30 avril qui leur est dédiée sous la méditation. Depuis plus de mois, les cours comme les restes des activités nécessitant la participation de plus de 20 personnes sont suspendus pour éviter la propagation de cette maladie. La division provinciale de l'éducation Nord Kivu 2 a saisi cette occasion pour appeler les enseignants à respecter les mesures barrières. Les années passées, on avait demandé à chaque division de le faire conformément à la réalité du milieu. Chez nous ici, nous avons un problème de la sécurité l'année passée. On n'avait pas fait. Alors cette année, c'est le problème de la pandémie au niveau national. Donc, c'est une méditation à tout le monde. Pour un responsable d'une école secondaire, le confinement vient s'ajouter au calvaire qu'endurent les enseignants, car nombreux parmi eux ne sont pas payés. Donc nous ne vacons pas librement nos occupations, on n'enseigne plus. Les enfants sont à la maison, les enseignants eux-mêmes sont à la maison, certains au champ. Et donc, vous voyez que ça, lui-là, c'est le premier fait qui fait que la fête d'aujourd'hui ne soit pas vraiment manifeste. Et le deuxième fait, c'est qu'il y a une trop grande problématique sur l'aspect de la paix des enseignants. Certains qui sont du secteur public, qui étaient des NU, ça veut dire des non-payés, jusque-là, ils ne sont pas payés. Alors, nous ne savons pas comment nous pouvons organiser une fête ou alors célébrer ce souvenir de notre bon métier de la craie. Kivo à Joseph, enseignant depuis 40 ans et actuellement agent d'appoint à l'inspection principale provinciale, il se rappelle des réjouissances qui ont toujours caractérisé cette journée dans les temps. La journée est morose, pas d'activité. C'est vraiment triste. Ça ne va pas. Auparavant, on célébrait la fête comme telle, l'enseignement. Nous devrions être vêtus et puis après le défilé, on va s'asseoir quelque part. Il s'agit de la 26e célébration depuis que la Journée nationale de l'enseignement a été instituée en RDC. Quelques jours après le lancement des enseignements par voie des radios, les écoliers finalistes de Butembo sont dans la confusion. Nombreux d'entre eux n'ont pas encore réussi à se connecter à ce programme de cours. Ceux qui ont osé jusque-là suivre ces enseignements évoquent le problème de rétention. Ces écoliers qui étaient habitués à suivre cours dans la proximité avec leurs enseignants redoutent cette nouvelle méthodologie de télé-enseignement. À Butembo, les enseignements en distance ont débuté mardi via la radio Moto Butembo Beni, la RTNC et la REB. Jusque-là, ce programme ne concerne que les enfants inscrits en 6e primaire. Même les parents des écoliers disent éprouver d'énormes difficultés pour orienter leurs enfants à suivre les cours via les radios. Nombreux estiment que cette nouvelle méthodologie nécessite d'abord une mise à niveau des parents pour que ceux-ci, à leur tour, sachent comment orienter leurs enfants.
Faute de quoi, ces tuteurs d'écoliers finalistes souhaitent que les cours reprennent très vite dans les milieux éducatifs favorables. Bon, il est jambo tulisikia, mais ça ne m'arrange pas. Peut-être mimi na viona ni vya mupya juu ibi vya radio vinakuwa sa vya mupya hatu ya bisikia kata batoto wabasomia kata siku mwa ku radio peut-être wanasikia kengine maemisio ku radio me vya masomo kusema watasomia ku radio ça me semble peu difficile si yo kama na kuvengine bazazi vitakuwa vile juu batoto leo tushajikuta tuko na batoto maana ke bananza tushinda juu bana la mkaka asubuhi kila mtoto anaenda kwenye ataenda kama mzazi peut-être hakumokipe mkazi atakia tu na nakia chungulia gisi anaweza kia kula tena na narudia maana ke ni kubatafuta tafuta tu mkartie na haiko kila mzazi wote njoo mwenyeko na radio kwake kwanza kusie ba mama hatufatake ifo sana. Toutefois, la division provinciale d'éducation Nord-Kivu 2 compte sur l'implication de parents d'écoliers pour la réussite de ces programmes. Voilà donc ce que nous demandons aux parents, c'est d'être à l'écoute, surtout pour accadrer les enfants. Parce que chaque radio a son horaire. Dès que les parents connaissent déjà l'horaire de chaque radio, il peut accadrer l'enfant, il peut demander à l'enfant de rester à l'écoute. Voilà donc le message que nous voulons donner à nos parents pendant cette période, qu'ils puissent vraiment nous aider à cadrer les enfants pendant ce moment difficile. C'est depuis lundi 27 avril dernier que le ministère congolais de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé le programme des cours à distance sur l'ensemble du territoire national. Objectif, sauver tant soit peu le programme des cours en cette période où les enfants sont obligés de rester chez eux, suite à la pandémie des coronavirus. Trois ambulances, dont des l'USAID, ont été remises aux zones de santé de Butembo, de Katwa et de Masereka ce jeudi 30 avril 2020. La cérémonie des remises officielles a été présidée par le ministre provincial en charge de la santé, Moïse Kanyere, dans les enceintes de la mairie de Butembo. Cette dotation est accompagnée d'un lot important des médicaments et des équipements médicaux à faveur de ces trois zones de santé. Les donateurs expliquent que cette dotation intervient dans les soucis de rendre accessibles les soins, mais aussi renforcer les systèmes de santé au profit des habitants des zones de santé de Butembo, Katwa et Masereka. La délégation du ministre provincial de la Santé, Moïse Kanyere, s'est ensuite rendue à Masereka, dans les territoires des Lubero, pour s'assurer que l'ambulance parvienne aux bénéficiaires. La dépréciation du franc congolais face au dollar s'observe en ville de Butembo depuis plus d'une semaine. Alors qu'il s'est changé à 1650 francs le dollar, il se négocie actuellement à 1850 francs. Les campistes expliquent cette situation par la pandémie du COVID-19 qui fait que le dollar américain ne soit pas injecté sur le marché en quantité suffisante. Actuellement, les taux varient entre 1800 et 1820. Soit 1830. Normalement, il n'y a pas tellement hausse du taux. Sauf que la situation de la fermeture des frontières et d'autres barrières, du tout le confinement, c'est ce qui a causé une petite perturbation. Cette situation impacte négativement sur le pouvoir d'achat de la population. Cette façon de travailler, vraiment, ça ne nous permet pas de travailler et surtout si on est un détaillant, vous manquez comment aussi fixer le prix de vos marchandises. Vraiment, on a tout pénalisé ça. On a tout pénalisé. Les taux d'échange nous pénalisent. Nous achetons nos articles à dollars que nous venons vendre à francs, ce qui nous crée des incompréhensions avec nos clients. Alors qu'est-ce que nous avons dollars? Face à cette hausse du taux d'échange, les habitants en appellent à l'implication des autorités compétentes pour la stabilité monétaire. À Kiavinyonge, une pêcherie située à la côte ouest du lac Édouard, de miliciens Maïmaï ont de nouveau rempli de matériel des armateurs. D'après nos sources, c'est dans la soirée du mercredi dernier qu'ils se sont improvisés au point d'accostage de Kiavinyonge et Kianika, renvissant une trentaine de moteurs. Ces miliciens accusent le pêcheur de ne pas pouvoir payer les taxes. Il conditionne la restitution de ses outils de pêche par le paiement d'une rançon de 2000 francs congolais chacun, ce que contentent les comités de pêcheurs de Kiavinyonge. J'en ai arrivé dans ma moteur 29.
200 000 francs. Donc il est attaqué, il a intervenu après combien de jours déjà? Ni incident yangapi déjà depuis que tu m'as enregistré, tu lui quoi nataka ou tu as bien comme un quatrième incident, moi une semaine déjà. Il me quoi troisième incident. Troisième incident. Donc il est tout conditionné bien qu'on a exigé ni à ni mutu alipe makuta mbele ba rudis ba libérer ni ni pirogi yake. Ndio mbele ba libérer tout il est moteur il faut pesa wanaomba 200 000 francs congolais. Na file zinapotea yule ya mai. Sababu wanakusaba peshere niko yule ya mai. Aba atosha matimba ndani ya bahari. Alo matimba zinabakia upepe unapoteza matimba sahi wa armatele washa teteka. Matimba zilisha potea deja. Hakuna intervasyo yote inye natoka. Hakuna. Hakuna intervasyo yote ya guvernema. Alolo tuko naomba tu. Leta itusaidie yone kama nakamata mpangu na muna ganishua kutosa hapa milisi hapa. Habe nye wanaikala huku Chanika. Kavinyonge est l'une des pêcheries qui ravitaille Boutembo à poisson, mais depuis un temps, des miliciens y font la loi, ce qui infecte les activités de pêche.